Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 du Let's Play de The Last of Us. Et c'est parti. Donc on se retrouve là où on s'était quitté. Hop. Donc là on devait retrouver Robert. Si... Ouais, on doit retrouver Robert. Parce qu'il nous a trahis. Donc on va aller le retrouver. Ici il me semble qu'il y a un Parti. réel, je crois. Moi j'avais déjà été pendant tout là quoi. Ouvre l'entrée. C'est bon. J'espère que le son. Je vais diminuer un petit peu le son parce que j'ai regardé l'épisode A. Ça... Je trouve que c'est un peu trop fort. Dites-moi si vous. On va tout diminuer. Hop. Ça devrait être bon comme ça. J'ai pas envie de trop diminuer non plus. Le son, ça allait, c'était assez bien équilibré, mais je trouvais que le son du jeu était un peu trop fort. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai un peu de mal avec les touches. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. La planche est tombée. Tu peux y aller? Ouais, j'y vais. Vas-y, passe-la moi. C'est bon. Désolé. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Ouais, je pense que j'ai gardé le 30 minutes. 20 minutes, ça me paraît vachement court Ramène pour tes un fesses, jeu comme ça, on y donc va. je vais faire des vidéos de 30 minutes. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. Normalement, il n'y a pas d'altérité de l'échelle. C'est peut-être pas dans cet arbre-là. Dans un des arbres ici, il y a. Il n'y a pas d'antenne de Luciole. Ah, c'est dans celui-là. Par contre, les coups de feu sont moins assez forts. Non. Ferme-la. Ces munitions. Je suis sûr qu'on en aura besoin. J'ai encore diminué un petit peu le son. J'ai l'impression que je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop fort. Le chat, ça c'est pour le multi, je crois, mais on va quand même le diminuer. Je sais pas si je ferai des vidéos multi sur ce jeu-là. Peut-être une de temps en temps. Allez, petit. Regarde si la voie est libre. Pas de soldat, pas d'homme de Robert, ok? Tu sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Donc je disais le multi, je ferai peut-être une vidéo dessus pour dire ce que j'en pense. Ma belle, comment ça va aujourd'hui? Paris, pas maintenant, Terrence. Non, c'est bon, j'ai pas la carte. Maintenant, t'as compris? Ok, je peux le faire. Pas de carte de rationnement, pas la peine de me faire perdre mon temps. Je suis pas là pour faire du troc avec des balles. Très accueillant ici. Si tu touches, tu payes. Tess, ça faisait un bail. Tu me rends plus visible. Rassieds-toi. Bâtez le cul! Vas-y! Mets-lui dans la tronche! Très accueillant ici, hein. On peut le voir.
Donc là, je crois qu'il y a deux documents à prendre ici. Là sur le mur, on le voit, c'est la vie de recherche. Et là, ici, voilà. Je vais pas tout prendre, mais... Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Arrête-toi. Là, elle s'arrête pour commencer à courir. C'est bien ça, bravo. Faut qu'on passe. Vous feriez on vous fera mieux de pas faire de mal. Et de rentrer chez juste vous Robert. Si à la vie. Ne faites pas ça. Hors de question que je parte sans Écoutez-moi Robert. Le camp. Hey, je vais vous défoncer le crâne et si mais... vous dégagez d'ici immédiatement. Donc, T'es prêt? Là, vous avez remarqué, il y a un décalage avec les voix. Il y avait déjà ça sur la version PlayStation 3. Ça, par contre, c'est vraiment, vraiment dommage qu'il l'ait pas corrigé parce que il aurait pu le faire. Parce que c'est vraiment dommage. Ça c'est bien quoi, là, comme ça je trouve que c'est bien fait. Il est encore au bout normalement, non? Bien joué le Texan. Il y en a deux? Ah bah oui, il est toi aussi. Comment il a fait pour tous les rameuter? Robert est doué pour une seule chose, rédiger des chèques en blanc. Donne-moi ta main. Ok. Là, ça va être une phase d'infiltration. Allez, ça fait le trait. Encore des gars de Robert. Comment tu sais que je les vois? Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Putain. On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde ici. On va essayer de pas se faire choper. Hein. Bon. Ici ça va, je connais. C'est la partie d'après en fait qui. Ça va être difficile de pas se faire repérer. Au fait, je suis passé par Jordan Street. Et tout un tas de soldats ont débarqué avec 5 civils, avec des menottes au poignet. Laisse-moi deviner. Des lucioles? Ouais. Ils les ont alignés contre le mur et bam, 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 ils les ont tous exécutés. Putain de merde. Ouais, c'est comme ça partout en ville. Ils leur tombent dessus sans mépris. Prends la cheveux. On a trouvé une solution. Comment il m'a repéré là? Voilà, j'ai fait un peu de la merde. Je sais pas pourquoi lui m'a vu alors qu'il regardait vers la bibliothèque. Je pense pas qu'il aurait dû me voir. Ou alors il s'est retourné et je l'ai pas vu. Je sais plus. Pas grave. Du coup. Un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du couvre-feu. Et Robert alors? Donc, c'est cette phase-ci qui va être difficile pour ne pas.
Enregistrement à couper encore, c'est vraiment de la merde. C'est pas grave. Donc lui normalement je peux l'étrangler sans souci. Reste calme, mec. Y a pas de chance. Bon, je vais essayer de pas le faire repérer, mais je promets rien parce que cette phase là. J'oublie. J'espère que les deux là-haut ne vont pas me voir. Normalement, non. Ces deux là-haut. Personne d'auto autour, non, ça va. Il y en a un en face, c'est bon, il est passé. Ok, d'accord. Écoute-moi, mon pote. Fais pas de conneries, ok? Je sais pas si j'aurai le temps de l'éloigner assez. Ah, ça va, il nous a pas vu. Donc, quand il commence à se débattre, il faut le tuer assez vite, sinon il arrive à se libérer. J'espère que le cadavre il sera pas. Il va pas voir le cadavre, j'espère. Donc là, on a celui en face. Il y a aussi Ray quelque part. Bah, il est juste là. Est-ce que c'est le... Non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, ouais. Ah, il y a l'autre juste là. Bon, l'autre nous a pas vu, heureusement. Donc celui qui est là, c'est le dernier, donc ça va, on n'a plus trop de danger. La tête qui vient. S'il vient. Est-ce qu'il se dépêche? S'il vient pas, on va y aller. Hein. On va y aller alors. Pourquoi il vient pas? Oh mais... Ah non! Oh, con. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que il y avait une trousse de soie là sur les tiroirs. Ça sur le petit armoire. Et c'était plat, était devant. J'ai pris le trioc pour l'attraper les trois anglais, sauf que ça a pris le kit de soie. Du coup, c'est comme si j'étais passé devant le tape et il m'a repéré. C'est dommage. Dommage, c'était le dernier, je m'étais pas fait repérer. Merde. Dommage. Voilà notre homme. Voici Robert. Garde ton sang-froid, l'ami.
Respire un peu. Faut vraiment essayer de ne pas se faire repérer parce que ça devient vite. Bon, oh là, en normal, c'est pas très dur, mais. Sur PS3, j'ai fini le jeu en survivant et quand on se fait repérer, c'est. C'est assez chaud, mais le jeu reste assez simple parce qu'on peut souvent, être rester discret, quoi. Faut juste trouver les bons déplacements. Il me donne beaucoup de surréal là. Là j'attends parce que je sais bien qu'il y a un autre qui va sortir du hangar là, juste devant ce type là. Donc si je l'attrape maintenant et que l'autre arrive à ce moment là, ben, je vais me faire griller donc on va attendre. J'espère qu'on va pas trop trop longtemps. Je pense que c'est lui là, celui qui arrive. Peut-être que je peux y aller, enfin je sais plus. Donc j'aurais largement eu le temps de le tuer en fait, mais bon, pas grave. Enfin, attends, il va repartir dans la gare, voilà, et là on pourra y aller. Ah ouais, non, il se met d'abord là. Ouais, une fois qu'il s'est mis là, il va repartir dans la gare, puis on pourra y aller. Donc, dès qu'on va le voir repartir, on y va. On tue cette tête là. Et où je le vois plus. Je crois que je peux déjà le tuer là. Je pense pas que je me ferai repérer. Ah bah si, au pire je me fais repérer, c'est pas grave. Oh non! Ah bah je me suis fait repérer. Pas grave. Je m'en fous cette tête. N'hésitez pas à le tuer, quand vous voyez qui se débat, faut le tuer, ça sert à rien de le garder. Merde. Pas de notre pétage, ça va pas aller non plus là. Ils sont tous morts, je crois. Les bureaux là. Robert a dû s'y réfugier. On y va. Il y a rien dans le bureau, il me semble. J'ai oublié un document, je crois, là, c'est pas grave. J'ai oublié un document tout près du... Reculez, bordel ! On veut juste parler, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain ! Baisse ton arme! Allez vous faire foutre! Ivar! Robert! Joël, par ici! Donc, on a oublié un document, mais c'est pas grave, on s'en fout des documents. On a failli avoir. Oh merde! Non, c'est bien. C'est... Non, c'est pas là, je me suis trompé. Joël, sans rancune, pas vrai?
Exactement. Ok. Oh putain! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Oui, bien sûr, mais... C'est compliqué. D'accord? Mmh. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer. Je dois... Ah oh, merde! Ah stop! 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 Merde. Arrête de gigoter. Tu disais... Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez. Qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant! Allez, on doit partir! Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. C'est par là. Je connais un autre chemin. Venez. Hop! Allez, on y va. Allez, dépêche-toi. Allez, plus vite! Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Pourquoi maintenant? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des définitions. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. Je sais plus. Ah si, faudrait peut-être que j'augmente mes compétences. Ou je vais attendre d'avoir que j'en ai 50. Ouais, je pourrais augmenter, on augmentera ça d'un coup. Moi je préfère ça, je préfère économiser les trucs. Puis augmenter tout d'un coup, comme ça on voit vachement la différence. On a l'impression que le jeu est beaucoup plus facile d'un coup. Et c'est... Pour ça je préfère comme ça garder le maximum.
Puis, par exemple, vitesse de souhait, je l'augmenterai de 2 d'un coup et ça sera. Je verrai vachement la différence en fait. Moi je préfère faire ça, je fais ça même dans les jeux de course, je fais ça, enfin dans les jeux de The Crew par exemple. Mais je vais. Des soldats. C'est la sortie. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. Donc je disais, The Crew par exemple, on débloque des améliorations. Ben, au début, je les mets pas. Et puis je mets On doit atteindre cette 6-7 porte. améliorations d'un coup. Et là, je vois vachement la différence sur la voiture par exemple. Et j'ai l'impression que ça rend le jeu beaucoup plus facile que quand on améliore petit à petit. Donc moi je préfère faire comme ça. J'ai une bouteille normalement, ouais. Il y a un type qui va arriver normalement. Ah non, il est juste là. Ça n'avancera à rien de me tuer. Oh, si ça va m'avancer beaucoup de te tuer. Il y a des trucs à prendre. Faut pas que j'oublie ça, hein. Il y a des trucs à prendre. Mais ça, par contre, je pourrais le faire. Ah, je peux pas confectionner grand chose pour l'instant. Hein. Bien sûr, ouais, je peux en confectionner, mais le 3, 3 c'est le maximum donc. Essayer d'être discret, mais ici ce passage-là il est très facile pour être discret. Faut juste bien regarder leur déplacement et. On va attendre que l'autre descende les escaliers. Ah ben voilà, c'est bon. On va attendre qu'il descende. Voilà, là c'est bon, l'autre il bouge pas. Écoute, écoute, si tu me tues, tu sortiras pas d'ici vivant. J'ai bien le cacher le cadavre. Hop. Et là il recule un petit peu. Du coup, je cache jamais bien les cadavres. Normalement, ça devrait être bon. Le bras qui dépasse un petit peu, c'est pas grave. Est-ce que j'ai eu le temps de l'attraper lui? Ouais. T'as gagné, ok? Je gagne toujours. C'est le dernier. On tue à l'arme à feu ou on les trois? On va aller. On est plus très loin. Je vais pas user une balle pour lui. Hein. Où est-ce qu'on va, Marlène? Par ici. On n'est plus très loin. Bon voilà les gens, on va s'arrêter ici pour l'épisode 2. L'épisode 3 va arriver assez rapidement, dans 2-3 jours après. Donc voilà, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de dire en commentaire si vous voulez que je change dans les options, si le son je l'ai diminué trop ou si je ne l'ai pas diminué assez par exemple.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire. Si vous ne l'avez pas aimé, dites-le aussi. Mais essayez de le dire pourquoi, comme ça je pourrais changer, essayer d'améliorer les choses. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve pour l'épisode 3.